Est-ce que ta femme sait pour nous deux? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est malade, elle fait une fixette sur moi. Tu crois que je suis stupide? Tu crois que je vois pas quand tu mens? Calme-toi, calme-toi. S'il y a que moi qui travaille, alors c'est simple. Il est temps que je passe à autre chose. La vérité, c'est que je me suis endetté. Trop d'alcool. Et puis, toutes ces danseuses. Je le mets à l'épreuve en tant que directeur adjoint. En échange, tu signes le renouvellement de la concession. Les traces s'arrêtent ici. On ne trouvera rien. Un rhinocéros de 3 tonnes ne disparaît pas comme ça, c'est impossible. Tous les ans, ce type nous jette à la figure son pouvoir décisionnaire. Et tous les ans, tu perds ton calme. Est-ce que la fameuse demande a été faite? Pas encore, non. Mais en revanche, on s'est beaucoup entraîné à dire oui. Tu veux l'épouser? Ouais. Quelle nuit magnifique. J'adore ces bambous qui me bandent du plafond, c'est bien un truc de décorateur. Et encore, ça c'est ce qu'il y a de plus réussi. C'est pire que moi en fait. C'est la vérité. Tu es odieux. Je pense pas. Hey, Thio. Hey. Comment vas-tu? Bien, je t'en remercie. Ça fait plaisir de te voir. Merci. J'aimerais te présenter mon ami Lelo Sedibé. Lelo, Thio les bonnets. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous rencontrer. Et voici Zoé Harris. Bonsoir, Thio. Oh, bonsoir. Vous voulez bien être mon chevalier ce soir? Zoé, je crains qu'il nous soit déjà pris. Allez, viens, installons-nous. Oh, là, ça te va? Merci. Voilà. Zoé. C'est vrai ce qu'on raconte? Apparemment, Rosa pourrait bien décrocher un prix. Rosa et moi, nous ne sommes plus ensemble. Oh, je suis désolé de l'apprendre. Si vous voulez bien m'excuser. Bien sûr. Alors, chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je suis ravi de vous voir, chef. Ah, vous avez l'air en pleine forme, dites-moi. Je vous retourne le compliment. Pendant un instant, j'ai cru que c'était votre père assis là. Père, j'aimerais vous présenter Lelo Sidibé. Lelo, mon père. Enchanté de vous rencontrer. Moi de même. Me disais, j'aimerais que tu m'accordes un peu de temps tout à l'heure. Et vous aussi, j'espère. Mais... Allons nous asseoir. Il t'apprécie. Le contraire serait étonnant. Madame me ferait-elle l'honneur d'une danse? Non, désolée. De toute façon, je m'adressais à la jeune princesse que voici. En piste, jeune fille! Je me sens si stupide de déranger un ranger pour quelque chose de si bête. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça, madame. D'accord. Que puis-je faire pour vous? La pompe ne marche pas bien. Je vais voir ce que je peux faire.
C'est tout? C'est tout ce que tu peux offrir à ton père, Itou Meleng? Où est le gâteau aux bêtes, Marula? T'as pas congelé celui de l'année dernière pour nous le servir ce soir? Ça n'a vraiment aucune importance, ce n'est pas grave. Je vous sers un verre? Non, je vous remercie, je dois vraiment retourner au banquet. Peur d'être privé de dessert? Voilà, ça devrait marcher. Je verrai avec le service d'entretien qu'il arrange ça. À votre service. Vous n'aimez pas danser? Je vous demande pardon. Vous ne dansez pas? Là-dessus, oh. Bien vu. Je peux me joindre à vous dans ce cas. Oui, avec plaisir. C'est gentil. Et votre fiancé, il ne danse pas? Ce n'est pas ce que vous croyez. Ah oui? Et qu'est-ce que je crois? Je vous écoute. Il n'y a rien d'officiel avec Moutissé. Nous ne sommes pas fiancés. Et où est-il s'il ne danse pas? En train de discuter avec son père. Alors vous feriez mieux de rester ici. Ça dure toujours des heures. Et comment l'avez-vous connu? Par mon amie Zoé, en fait. Je suis dans la mode. Comme mannequin? Bien tenté, mais non. Je suis rédactrice de mode pour le magazine Chic. Et Zoé y est chroniqueuse. Je ne dirais pas que je l'ai déjà lu, mais je vais sur le champ rattraper cette erreur. Et alors, est-ce que Modizé est un contact professionnel intéressant? Il l'est. Là. Ça. Ça, oui, ça se danse. Est-ce que ça vous tente? Bien sûr, pourquoi pas. Alors, après vous. Attention! La tentatrice fait faim. Je lève mon verre à cette nouvelle année qui débute sans qu'Itou Meleng soit obligé de virer quelqu'un à cause d'un simple gâteau. Merci, père. Alors, mon fils, est-ce là la jeune femme dont tu m'as caché l'existence? Non, je n'ai rien fait de tel. Oui, tu m'as dit que tu avais une amie, et après ça, plus rien. Ce n'est pas ton genre, d'habitude. Hey, Itou Meleng, est-ce que tu te rappelles, quand ton frère était petit, il fallait absolument, quoi qu'il fasse, qu'il vienne nous le dire. Père, père, oh, regardez ce que j'ai pêché dans la rivière. Oui, Itou Meleng, j'ai vu un truc incroyable, tu ne videras jamais. Oui, je me rappelle. Alors pourquoi il n'a rien dit, selon vous? Quoi? Parce que c'est sérieux, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, tout père aspire un jour à devenir grand-père, mais le temps presse. Itou Meleng ne se sent pas prêt, lui. Alors, je compte sur toi. Oui, eh bien, je... bien sûr que j'aimerais fonder une famille, mais... je ne me sens pas encore prêt. Je me suis fait une raison avec ton grand frère, et je ne peux pas attendre plus longtemps. J'y penserai. Ne pense pas, fais-le. Qu'est-ce qu'il y a? Tire les bonnets. Tourne-lui le dos 5 minutes et il trouvera le moyen de te voler. Il ne fait rien de mal. Il danse avec ta petite amie. Oui, et alors? Tu trouves ça normal? Eh bien... je vois Tristan danser avec Marang. Je ne vais quand même pas appeler Zoueli et l'avertir du danger. Ce type a passé toute la journée à me prendre de haut. Et là, il enfonce le clou en nous montrant qu'il contrôle aussi nos vies.
J'en ai assez. Et tout mélingue. Tu pourrais au moins attendre que la chanson soit finie. Je t'ai rendu un service tout à l'heure. Je m'attendais à un peu de gratitude, mais j'avais oublié avec qui je négociais. Alors allons signer ces fichus documents avant que ça n'aille trop loin. Tout le monde nous regarde. Et je n'ai rien fait d'autre que de m'amuser un peu. La petite amie de mon frère n'est pas à ta disposition. Ah, d'accord, je vois, c'est ça ton problème. Non, 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 le seul vrai problème, tu vois, c'est toi qui fais tout pour insulter ma famille. Ce n'était pas dans mes intentions, mais j'imagine qu'il te faut une excuse. Oh, ça suffit. Il me semble que vous devriez régler ça en privé, messieurs. Et je propose que ça se fasse dans ton bureau et tout mélange. Je ne bougerai pas tant que les papiers ne seront pas signés. Alors on ira nulle part. Quoi? Tout est bon pour pas signer, c'est ça? C'est pas moi qui cherche le conflit ici. Je te rappelle que tu reçois tes invités et que ton père te regarde. Vous avez le choix. Soit vous continuez à vous comporter comme des gamins, soit vous agissez en adulte responsable et réglez ça en privé. On y va. Épargnez-nous ce spectacle. Allez, dehors. J'ai une annonce à faire. Dès lundi prochain, Kumo se verra confier le poste de directeur adjoint du Dina Lady Lodge. Directeur général. Directeur adjoint. Non négociable. Attends. Je signerai ces documents comme convenu. Bien obligé. Non. Pas du tout. Mon père et le chef Ratladi ont travaillé dur pour arriver à cet arrangement. Avec, bien sûr, l'aide de Karel. C'est par respect pour eux que je signerai. Mais j'ai d'autres exigences. Premièrement, pas de chasse illégale. Il n'y a jamais eu de chasse illégale dans ce lodge. Une chasse sous contrôle avec permis est acceptable. Et nécessaire. Mais c'est déjà spécifié dans le contrat. Oui, mais j'en fais une clause de pénalité. Et à la moindre violation de cet article, cet accord cessera d'exister. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ça me paraît correct. C'est bon pour moi. J'insiste. À la moindre violation du contrat... J'avais compris et je le répète, c'est bon pour moi. Quoi d'autre? Je veux renégocier mon pourcentage sur les bénéfices. J'exige 5% de plus. Voilà où tu voulais en venir. Tu ne gagnes pas déjà assez d'argent? L'argent ne motive pas mes actes. Bien sûr qu'il les motive. Tu veux nous retirer le pain de la bouche. Ces nouveaux revenus seront versés à la lutte anti-braconnage. Ce que nous faisons déjà. Oui, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Sers-toi de ta fortune personnelle. Nos familles ont bâti ce lodge avant tout afin que nous préservions les ressources de cette terre. C'était votre rêve, n'est-ce pas? Et il me semble que le lodge est plutôt rentable, non? Bien sûr, et tu le sais. Alors pourquoi est-ce qu'on n'investirait pas une petite partie des bénéfices pour la protection de la terre? J'ai rien contre. Je suis d'accord. Si tu fais ces corrections, je signerai. Excuse-moi, bébé. Je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Ah oui? Je laisse tomber au club. Non, tu es sérieux? C'est normal. Et le contrat est prêt. Si je m'y attendais. Moi, je dis, fait-on ça avec un petit verre. Ce sera sans moi, désolée. Je dois me réveiller tôt. Tiro. Et toi, bébé, comme d'habitude? Non, pas pour moi, je te remercie. Oh, bébé, il faut bien fêter ça. Oh, mais j'y compte bien, chérie. Alors ne me fais pas trop attendre. Et quoi qu'il arrive, elles obtiennent ce qu'elles désirent. Ça n'a pas dû être facile. Mais t'as raison. J'apprécie ton geste. Mais... je sais pas si j'y arriverai.
travailler pour Tladi, tu le ferais, toi? Je le ferais si ça me permettait de sauver mon mariage. Je gère mon mariage comme je veux. Écoute, il faut que tu comprennes. Cette femme-là t'aime. Sauf qu'un jour, elle te larguera et tu ne pourras pas la convaincre de revenir. Je sais. Je suis pas irréprochable, mais c'est la seule solution. Écoute, il y a plus. J'ai besoin de toi sur ce coup. Comment ça? Je veux que tu sois mes yeux au Lodge. Je sais qu'on ne me raconte pas tout ce qui s'y passe. C'est-à-dire? Eh ben justement, c'est ce que je veux savoir. Tristan pense que cet endroit est pourri jusqu'au cœur. Et jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve. Alors, pourquoi t'as signé? J'ai pas envie de déclarer la guerre au Tladi avant d'être sûr et certain de savoir dans quoi exactement je nous engage. Donc, tu veux que je fasse quoi? Que je sois ton espion? Si c'est comme ça que tu le vois... Ben, mon vieux, c'est officiel, je suis ton homme, tu peux compter sur moi. Je le savais. Tu connais mon nom de code. Les bonnets. Kumo, les bonnets. Kumo. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je ne voulais pas créer de problème. Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'étais malheureusement qu'un prétexte. Ces deux-là ne peuvent pas se voir sans que ça finisse en bagarre. Et puis, entre nous, ça ne serait pas la première fois, ni la dernière, que des hommes se battent pour une femme si merveilleuse. Merveilleuse? Exquise. Radieuse. Dans ce cas, j'imagine qu'on peut pas leur en vouloir. Oh. Je me rends compte que j'ai été un idiot. Qu'est-ce que tu racontes? Bébé, je sais que cette soirée ne s'est pas déroulée comme je me l'étais imaginé. Mais la vie nous tend parfois des pièges. Et il faut se battre, quel que soit l'obstacle, pour conquérir la femme qu'on aime. Et je t'aime plus que tout, Lelo. Je veux que tu deviennes ma femme. Je veux vivre avec toi pour le pire, et bien sûr le meilleur. Lelo, veux-tu m'épouser? Et maintenant, tenant le coin rouge du ring, champion de notre belle ville de Rustenburg, totalement dépassé par les événements, le tigre Tyrol les bonnets. Wow. Non, pour toi, c'est Tyrol les bonnes. Désolée, mademoiselle. Les bonnes, le pire club qui ait jamais existé. La fin d'une époque, heureusement. C'était bien joué, bravo. Je prends soin de mon petit frère. Et c'est quoi cette histoire d'agent secret? Une tactique pour le convaincre? Tu es en train de penser à cette fille. Quelle fille? Celle qui a failli déclencher une bagarre. Non, enfin, ça ne serait jamais allé jusque-là. Tu sais comment ça se termine avec Itumeleng. Est-ce que je suis le seul ici à être fatigué de ce type qui se la joue comme s'il était déjà le chef? Tu vaux bien mieux que lui, Tiro. Ne rentre pas dans son jeu ou tu vas perdre. Et surtout, laisse cette fille tranquille. La fiancée de Maudizé. Non, non, c'est pas sa fiancée. Je le sais, elle me l'a dit. Il n'y a rien d'officiel. C'est simple. Si tu veux éviter une guerre ouverte avec les Tladi, tout ce que tu dois faire, c'est arrêter les bagarres avec Itumeleng et arrêter de loucher sur l'ami de son frère, voilà. Mais j'ai absolument pas fait ça, je t'assure. Non, non, je suis sérieux. Ce n'était qu'une danse. Une danse, rien d'autre. Ne va pas tomber amoureux, Tyrol.
Surtout pas d'une femme de ce genre. Oh, là c'est toi qui prends soin de moi. Comme toujours. Je te vois demain matin. Où t'étais passé? Un problème de pompe. Tu as obtenu ce que tu voulais? Ouais. Mais je déteste son prix. Je dois renforcer la lutte contre le braconnage et lâcher 5% des bénéfs. Les bénéfs peuvent bien disparaître. Et toi et moi, nous savons d'où provient l'argent. Oui, mais par principe, ça m'énerve. Et je déteste perdre face à Tyro les bonnets. Alors voilà de quoi te remonter le moral. Cadeau. Voyons.